Bonjour, professeur Amarenko. Donc, je vais aborder aujourd'hui un problème qui est assez fréquent en pratique quotidienne, en neurologie, mais aussi en urologie. C'est celui des patients qui se présentent à la consultation pour un trouble de la sensibilité du gland ou de la verge avec cette sensation de gland mou, froid ou insensible. Ça pose toujours de délicats problèmes d'ordre physiopathologique, d'ordre étiopathogénique et d'ordre thérapeutique. Donc, ces patients arrivent, ils ne sentent pas très bien leur gland, ils ne sentent pas très bien le repérage spatial de leur verge pendant un rapport sexuel. Ils ont l'impression que le fourreau pénien, que le prépuce, lorsqu'ils en ont encore un, est insensible. Ils ont une impression désagréable d'avoir en permanence une sensation de froid balanique, et puis d'avoir une diminution de la raideur, de la dureté, en quelque sorte, du gland. Alors, il y a trois causes évidentes, hein, bien évidemment. Hein, dès l'instant où on a une sensation d'insensibilité, de mollesse, de froid au niveau d'un organe, on pense à trois choses. La première chose, c'est bien évidemment neurologique, et on va essentiellement aborder ceci pendant ce petit exposé, hein, puisqu'on sait très bien que les nerfs véhiculent la sensibilité depuis la périphérie jusqu'au niveau du cerveau. La deuxième cause, et on n'en parlera pas, c'est bien évidemment une atteinte vasculaire. Hein. Vous savez très bien que lorsqu'il y a une atteinte vasculaire, notamment artérielle, on peut avoir des troubles de l'atrophicité, des troubles de la sensibilité au niveau de l'organe considéré. Il y a un certain nombre d'altérations vasculaires qui peuvent donner lieu à ce type de symptômes. Et puis, la troisième étiologie très évidente, elle est bien évidemment d'origine psychique. Vous savez que le pénis, la verge, le gland est chargé d'un extraordinaire symbolisme chez le garçon. C'est sa sexualité, c'est sa manière d'être parfois, de se représenter, c'est l'image de soi. Et donc, il est évident que cet organe cristallise beaucoup à la fois d'émotions, cristallise certains dysfonctionnements d'origine psychologique et parfois d'origine même psychiatrique. Donc il est évident qu'il faut toujours être très prudent, et pour nous en tout cas, qui faisons de l'organique, et notamment de la neurologie ou de l'urologie, éliminer quand même, avant d'étiqueter quelque chose de psychologique, d'éliminer tout ce qui pourrait être purement organique. Alors, la sensibilité, puisque ces patients se plaignent de froid ou de tic. Alors, on peut aussi aller au fond de cet épithélium et regarder la distribution, hein, ces fameux corpuscules de Krause, de Ruffini, de Pacini, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont situés dans la sous-couche, hein, la couche sous-cutanée qui génère cette sensibilité à la pression, alors que d'une manière un peu plus superficielle, dans le derme, c'est plutôt la température, alors que dans l'épiderme, c'est le toucher. Où on va avoir donc ces terminaisons libres qui vont en quelque sorte être le récepteur de cette sensibilité tactile épicritique, qui vont faire remonter cette sensation tactile au niveau du cerveau. Les récepteurs de Krause, hein, très profonds, hein, ce sont les récepteurs de la température qui va capter les variations de température et donc ces fameux récepteurs. Alors, ces troubles sensitifs péniens n'ont jamais réellement été étudiés en tant que tels. Ils sont signalés au cours des neuropathies punadales. Hein. Neuropathie punadale, ce n'est pas le syndrome de Kadelkopf, hein, ce n'est pas la douleur, mais c'est des neuropathies qui peuvent être compressives, qui peuvent être dues à des maladies systémiques. On peut avoir des troubles de la sensibilité. Il est évident qu'au cours des atteintes périphériques, les syndromes de la queue de cheval, les méningoradiculites, les atteintes plexiques, les polyneuropathies, à l'évidence, on a des troubles de la sensibilité, et notamment des troubles de la sensibilité de la verge et du gland. Alors, ce qui oriente d'emblée vers une étiologie neurologique, hein, c'est
qu'en dehors de cette trouble de la sensibilité, cette impression de gland, mou, froid, indolore, anesthésique, on a une hypoesthésie, une anesthésie et des paresthésies associées. On peut aussi avoir des douleurs neuropathiques, hein, à type de brûlure, de décharge, d'hyperpartie. Et puis certains patients, très curieusement, se plaignent d'une perte de l'orientation spatiale pendant le rapport. C'est-à-dire, ils pénètrent à l'intérieur du vagin et ils ne savent plus très bien où ils sont. Et donc, ça peut être extrêmement perturbant pour eux, pour la plénitude de leur rapport sexuel. Donc, neurologique, dermatologique, psychogène, hormonal, tout ceci va déterminer, bien évidemment, une dysfonction érectile. Vous voyez, il y a un article qui a été commis par une équipe parisienne il y a quelques années, en 2013, donc ça fait 7 ans maintenant, qui collectait 44 cas de patients qui se plaignaient de troubles de la sensibilité pelvienne avec de l'anesthésie, de l'hypoesthésie, des paresthésies, s'associe près d'une fois sur deux à une dysérection. Et donc, on va le voir, hein, les tests diagnostiques, notamment neurophysiologiques, permettent d'asseoir le diagnostic d'organicité. Et parmi l'éthiopathogénie, parmi les facteurs causaux, on retrouvait des maladies de la péronie, hein, avec ces plaques qui peuvent comprimer le nerf dorsal de la verge, le diabète, bien évidemment, qui peut donner une neuropathie distale, des compressions de la racine du nerf dorsal sur des selles de vélo, chez des gens qui pratiquaient le vélo, et puis des interventions orthopédiques. Vous savez que pour réduire les fractures, réduire les luxations, on met un bio au niveau du périnée, et on tire, on fait une traction, et ça peut comprimer la partie distale du nerf nadal, la partie sensitive. Alors, là, il y a des articles, hein, sur la neuroanatomie de ce nerf dorsal de la verge. Je vous renvoie à cet article du Journal of Urology, hein, de 1991 de Claire Young et de Bradley, qui est extrêmement bien fait. Donc, vous avez les coordonnées, vous avez les références sur cette diapositive. Il y a quelques articles qui ont été publiés sur la manière d'explorer sur le plan neurophysiologique cette sensibilité périnale. On va y revenir. On peut aussi étudier cette sensibilité après des conditions très particulières, comme après une hystérectomie. Et puis je vous ai rappelé qu'on peut aussi décrire, c'est l'article qui est tout en bas, l'article qui est paru dans Muscle & Nerve en 2001, ça ne nous rajeunit pas, sur ces neuropathies pulnadales distales avec atteinte de la sensibilité pénienne suivant la traction sur table orthopédique. Alors, ces troubles de la sensibilité sont souvent associés à des désordres génitosexuels à type de dysérection, à type de dyséjaculation et notamment d'éjaculation prématurée. On a aussi décrit des troubles de la sensibilité après correction chirurgicale d'incurvature pénienne, hein, dans des maladies de la péronie, par exemple. Donc, il est évident qu'on peut léser au cours de cette chirurgie le nerf dorsal de la verge et déterminer ainsi un certain nombre de troubles génitaux sexuels. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve aussi des neuropathies, c'est le dernier article en bas. On retrouve des neuropathies, ou plutôt des causes classiques de neuropathies périphériques comme le diabète, mais aussi l'alcoolisme, l'amylose, etc., qui vont donner lieu à une altération de la sensibilité distale au niveau du nerf dorsal. Une des questions qui se pose, c'est celui de la relation de la circoncision, hein, qu'elle soit rituelle ou qu'elle soit, on va dire, thérapeutique, dans la genèse de ces troubles de la sensibilité. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'articles qui ont été faits, je ne les ai pas tous mis là, mais disons que l'opinion n'est pas complètement faite pour les urologues qui ont publié ce type de travail. Malheureusement, la plupart de ces travaux se base sur un déclaratif des patients en termes de sensibilité, et bien évidemment ils n'ont pas d'éléments de comparaison pour la plupart, et ne se fondent pas sur des tests objectifs comme des tests neurophysiologiques avec des comparaisons de la sensibilité superficielle par la technique de potentiel évoquée, par la bioesthésie, etc. On va y revenir. Bon, disons quand même que d'une manière très habituelle, on ne retrouve pas d'une manière très nette une altération importante de la sensibilité du gland, de la sensibilité pénienne chez les patients circoncis.
Alors, les différentes atteintes neurologiques qui peuvent donner lieu à cette altération de la sensibilité pénienne, ben c'est ça, on va du proximal en distal. Hein. Ça peut être une atteinte plexique, hein, n'importe quelle atteinte plexique, radiothérapie, que des compressions, des tumeurs, des maladies systémiques, des compressions radiculaires, hein, que ce soit la hernie discale ou que ce soit des radiculites d'origine systémique. Et puis, bien évidemment, une atteinte du système nerveux périphérique avec une neuropathie, polyneuropathie, polynévrite, une mononeuropathie multiple, et puis bien évidemment la chirurgie qui peut léser soit la partie distale, soit la partie proximale. Il est évident que dans le cas d'un contexte neurologique, on est très enclin à penser que la symptomatologie présentée par le patient à type d'hypoesthésie de gland froid et mou est en rapport avec cette atteinte neurogénique. Alors, comment chercher et quoi chercher? C'est-à-dire, quand vous avez ce patient qui se plaint d'un trouble de la sensibilité, d'un gland froid et mou, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un examen urologique, et ça c'est clair, et puis vous allez surtout faire un examen neurologique. Alors, cet examen neurologique, ça va être avant tout l'examen du périnée. Hein. On va chercher un trouble de la sensibilité au niveau du périnée, pas uniquement au niveau de la verge. On va rechercher une altération des latences sacrées, parce que je vous rappelle que la partie afférente du réflexe sacré, c'est quand même ben, les voies sensitives. On va chercher des troubles de la sensibilité palesthésique, vibratoire au niveau du périnée, au niveau de la verge. Et puis, on va faire un rapide examen neurologique, mais sur le pied. Pourquoi? Parce que le pied, c'est les métamères S2-S3, c'est juste à côté pardon, le pied c'est le métamère S2 et S1, hein, le réflexe aquilien c'est S1, la flexion des orteils c'est S2, ça va nous permettre d'apporter des arguments pour une atteinte neurologique. Bon, le réflexe bulbo-anal, hein, vous savez qu'on serre le gland, on fait gicler le gland pour avoir une bonne réponse au niveau du sphincter anal. Alors les examens complémentaires, c'est quand même avant tout, l'exploration neurophysiologique, bien sûr l'exploration électrique et électromyographique à la recherche d'une dénervation dans l'hypothèse d'une atteinte proximale, mais l'atteinte peut être purement sensitive, c'est-à-dire qu'il peut ne pas avoir d'atteinte motrice. Et cette atteinte sensitive va être dépistée, traquée, authentifiée, quantifiée, objectivée par la mesure de la vitesse de conduction sensitive du nerf dorsal de la verge. On stimule le gland et on recueille en proximale par des électrodes annulaires à la racine de la verge. On peut aussi faire des potentiels évoqués somesthésiques corticaux. On stimule le gland par des électrodes de surface et on enregistre au niveau du cortex, par des petites aiguilles ou des électrodes de surface, tout l'ensemble des voies lemniscales qui remontent la sensibilité jusqu'au niveau du cerveau. On peut aussi, comme vous le voyez en bas à droite, faire des tests de la sensibilité vibratoire au niveau de la verge, mais aussi des tests de la sensibilité thermique par la méthode des limites. Et tout ceci va nous permettre d'objectiver l'atteinte sensitive et apporter des arguments en faveur de l'organicité de l'atteinte neurologique, soit distale, soit proximale, et préciser le niveau lésionnel. Alors bien évidemment, il y a des petits soucis, hein. Il y a des soucis entre les frontières, entre le normal et le pathologique, et c'est le problème du vieillissement. Vous savez que ça, c'est la ligne d'en haut. Vous savez que quand on vieillit, bah, les nerfs deviennent un tout petit peu moins performants, et donc, quid de la sensibilité pénienne au cours du vieillissement? Cela n'a jamais, jamais étudié. C'est d'ailleurs un assez joli sujet de recherche, puisqu'un certain nombre de personnes un peu plus âgées se plaignent de dysfonction ou de troubles éjaculatoires. La deuxième ligne, c'est la frontière entre le normal et le fonctionnel, hein, c'est-à-dire que est-ce que le trouble de la fonction qui va déterminer une angoisse de performance, l'esquive des rapports sexuels, on sait très bien que cette expression peut être un trouble imaginé de la sensibilité au niveau du gland, au niveau de cet aspect de gland froid, de sang mou, et on pourrait dire de gland incompétent pour le rapport sexuel. Et puis, il y a tout le psychiatrique. Hein. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'altérations psychiatriques, de perversions, d'obsessions qui peuvent se cristalliser, se focaliser sur la verge et sur le gland. Il y a un seul article qui est sorti en 2014 sur un algorithme de décisionnel devant, vous voyez, c'est un trouble de la sensibilité du gland. Bah, il est tout bête, hein, cet algorithme. Quand on a un trouble de la sensibilité, on interroge les gens et on l'examine. On propose un conseil psychologique et sinon on fait une bioesthésiométrie, c'est-à-dire une analyse de la sensibilité du gland. Et puis si c'est anormal, eh bien, on est
clairement dans une maladie neurologique qu'on doit évaluer, et sinon, ben, on est dans un problème psychologique, psychosexuel ou comportemental. Voilà, j'espère que ce petit topo sur le gland neurologique, on peut dire, vous a intéressé, et je pense que ça le doit vous intéresser, parce que encore une fois, c'est un problème assez régulier en consultation et qui est assez ignoré à la fois par les neurologues et à la fois par les urologues. Voilà.